Bonjour à toutes et à tous, c'est un 65 et on se retrouve sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, si vous me rappelez, sur l'épisode précédent, puisque une nouvelle session de tournage, sur l'épisode précédent, pardon, on avait fait une quête secondaire dans un élevage fait par une dame d'araignée qui s'était retrouvée dépassée. Hein. Elle voulait revendre des trucs d'araignée et ben, en fait elle s'est fait avoir par les araignées. Après, c'est tout. Reste des bestioles sauvages. Donc voilà. Et du coup, ouais, je crois qu'on en était là, on avait fait ça. Alors je sais pas ce qu'on va faire sur cet épisode, on va vite le voir, on va recharger la sauvegarde. C'était celle du 1 décembre, c'est ça. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le lien du Tipeee dans la description. Alors, rien à faire, ok. Vous avez préparé beaucoup de potions. Mais je suis réjoui, Chick, je suis réjoui. Je viens juste de voir mes petits animaux. 15 minutes, bah du coup, ça veut dire qu'à la fin de l'épisode, on s'en est occupé. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a tant à faire? Enquête. Alors, tout feu, tout flamme, allez voir Poppy, et c'est tout. D'accord. Voyons quand même sur la map, on sait jamais. Des fois, il y a des choses. Poudlard, il n'y a rien. Préolard, il n'y a rien. Et du coup, il faut qu'on aille voir Poppy. Elle est où, Poppy? Elle est là-bas. Eh ben, on va y aller. On va éviter hein, les araignées. Ça fait quand même... Bon, l'épisode précédent était quand même un épisode basé sur des araignées, donc ami arachnophobe, hein, désolé. Ça, pour nos amis arachnophobes, je préfère changer un peu, hein, pas tout le temps faire avec des araignées. Un repère de troll, là, ça peut être pas mal. Boursouf, on a déjà. Je sais plus ce qu'il me manque comme animaux. Je sais pas si on verra les animaux que j'ai. Je vais aller voir, tiens. En même temps, non, je suis en train de me dire... Hop. On va aller voir les collections. Les animaux, voilà. Alors, on a... Pas de licorne. On a des sombrales, on a des fossifères, je crois. Je pose la question, mais je crois que oui. Il nous manque juste la licorne, le grappe-corne. Alors le grappe-corne, on l'aura pas de suite. La licorne, on pourrait essayer. Je crois qu'il y en a pas très loin. Vers le nord du... Au nord du château, il y en a, je crois, des licornes. Hippogriffe, Vaudelune, crapaud violet, Jobarabille. Et c'est toujours les Vaudelunes, ça va pas changer. Le crapaud... Licorne ici. Bien envie d'aller choper au moins une licorne. Et avant quand même, parce qu'on est, c'est validé, mais je veux quand même aller vérifier qu'on ait bien tout ce que je pense qu'on a. Alors hop, pas compliqué, hein, juste faire H et on verra vite. Boursouf, Vaudelune, Nifleur et... Ah, on a des nifleurs. Ah bah oui, c'est vrai, je les ai mis à s'accoupler. Il nous en manquait un. Et crapaud, ok. Donc, boursouf, Vaudelune, Nifleur, crapaud, on a. Ensuite, dans cet enclos, qu'est-ce qu'on a? Hippogriffe, en gestation, elle céleste. Donc du coup, on aura bientôt un petit bébé hippogriffe. Fossifère. Jo Barbie, Dirico. Ok. On a aussi. Ah, il nous manque aussi les chats. Je crois qu'on n'a pas de flaireur. Je trouve un repère de flaireur. Ça serait bien. Normalement, là, on a que les sombrales. C'est ça. Par contre, on en a 4 et ça me va pas. Après, c'est normal, on a un juvénile. C'est plus crié, on la bouge pas. J'aimerais bien garder la femelle à. Je mets de cette couleur. Faut qu'on revendra les juvéniles, c'est pas grave.
Et si quand on aura un juvénile mâle de la même couleur que cette femelle, on vendra cette femelle, c'est pas un souci. Faudrait pas que le mâle s'accouple avec Sepulcria, parce que ça, sinon on va avoir un noir, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. Pas bien grave, allez. Donc du coup, c'est ça, il nous manque... Si je dis pas de bêtises... Un animal, il nous manque les flaireurs, la licorne, le grappe-corne, et celui qui est là, qu'on verra un peu plus tard, on sait pas encore qu'est-ce qu'on doit trouver. Mais on le saura bien assez tôt, je sais ce qu'on doit trouver, je vous laisse deviner. Je pense que beaucoup d'entre vous auront deviné. Partons, allez, on part. Non, pas carte de Préolard. J'ai peut-être des trucs à vendre. C'est pas. Non, j'ai rien à vendre, donc pas de carte de Préolard. Non, on va aller directement. Carte du monde, on va aller. C'est des volgunes. Y a pas de flaireur dans le coin? Faugriffe, on a ce qu'il faut. Boursouf, on a ce qu'il faut. Nifleur, pareil. Au pire, si on n'a pas, hein, c'est en train de se reproduire, donc c'est comme si. Crapaud violet. Flaireur, ça c'est quoi? Boursouf. Faucifère. Toujours des veaux de lune, nifleur. Barbie, Faucifère, bon, peut-être que c'est dans cette zone là. Cette zone là sera débloquée un peu plus tard, donc peut-être que ça sera dans cette zone là, c'est pas bien grave. Au nord, il n'y a rien d'autre. Au nord de ça, non, je vais déjà vérifier. Proche d'ici, Camp Polar en haut. Allons direct à Camp Polar en haut, ça ira plus vite. Je veux. Qu'est-ce que ça fout Bien que tu me l'affiches sur la devant moi. C'était là. Ah merde, il s'est barré. Bon, ça devrait aller en fait. Hop. C'est bon. On se cache. C'est pas vrai. Allez, cours. C'est vrai que c'est pas vrai. Elles sont compliquées, hein, ces bestioles à capturer. Voilà, la licorne. Parfait, c'est parfait ça. Bien sûr qu'on veillera bien sur elle. Licorne mâle, il manquera une femelle, on pourra faire un petit, on en aura trois comme ça. Vive le crin de licorne! Peut-être à la ramener à la maison. Oh non, allez. Allez, directement voir Poppy. On va faire quand même un peu. On va un peu avancer sur la quête principale. Sinon, on va bientôt être niveau 39. 39-40. sans avoir fini la quête principale. Alors, Poppy, tu es ici. Mais comment est la vidéo? On va voir ce qu'il y a sous.
Ok, des chiens, chiens, bon, c'est pas un problème. Alors, Poppy. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Elle, Céleste, va bien. Je garde un oui. œil sur elle. Elle est en sécurité. Elle a même fait un petit. Enfin, elle va bien. Bientôt avoir fini sur je un petit. Je sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque sanglier. Chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ben ce oui, qui m'intéresse, ben c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Old Magyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Je connais les Magyar à pointe, mais pourquoi pas le Old Maya. C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Je connais Maillard aussi, mais c'est pas pareil. À deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ouais. Parce que ça semble louche, non, hein? Allez, je suis sympa, je vais garder ton secret. Pas, Poppy. Si je Même si t'es une un poupe souffle. Grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle. Et là, tu lui dis pas tout. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Pas Par faux. ici. Ouais, bah attends, je me suis pas changé. On est en extérieur après tout. Hop. C'est ma cape. Ouais, non, pas envie de mettre celui-là aujourd'hui. On va mettre celle-là. On va mettre cette tenue-là. Ouais, très bien. Est-ce qu'on doit avancer masqué, Poppy? Ouais, avancer masqué, masque de loup. De loup en plus vengeur, c'est des braconniers. Bon, on va avancer c'est masqué ni fleur, mais. Alors, le masque de loup, allez. Incognito. Ça fait moche comme ça. Non. Non, 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 non. Allez, avec une chapka. On s'est masqué avec une chapka. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, une licorne. Par contre, c'est bizarre qu'il m'ait validé le nifleur alors que. Le flaireur alors que j'en ai pas encore capturé. Mais j'en ai vu, c'est vrai, à l'école il y en a. On n'a pas capturé de flaireur quand même. Tu devrais mettre un masque, Poppy. Toujours mieux d'avancer masqué. Fais bien attention. D'accord. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis, nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère de mèche avec nous que même. C'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Pardon, c'est dans le micro. Pas de soucis. C'était un sacré charmeur. Vrai avancer devant, Poppy. Pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? Et non, les gars, j'ai pas du tout de licorne dans mon sac.
Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Regardez pas dans mon sac, c'est tout. Mais j'ai pas de centaure, j'ai pas de licorne. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. Quoi, on va se planquer. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. Sûrement les braconniers à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Pour voler des créatures. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Des peaux. Pauvres bêtes. Elena, sérieux, quand même des plumes, un peu de tout. Les animaux qu'on a dans notre machin, enfin dans notre. Dans nos vivariums, donc bon. Dans nos enclos plutôt. Ok, donc le feu est encore chaud. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Métal gobelin. Poppy. Il y a quelque chose? Ouais, y a plus rien. Mis à part le fait que... Je peux pas voler. Mis à part le fait que je sais ce que j'allais dire, que bah ils ont laissé le feu allumé, ils vont faire cramer toute la forêt, c'est tout. Désolé Poppy, mais le loot m'attendait. Il y avait des braconniers, j'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. C'est pas faux. J'ai un mauvais pressentiment. Aussi, c'est pour ça que je me cache. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Moi? Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Non, devrait-on c'est pas utiliser grave, un sortilège de désillusion ou une bah oui, un peu moins c'est ce qu'on vient de faire. Difficile à dire d'ici. Allez, viens là, Poppy. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Ah, c'est bon. Entre dans la tente. Il n'y a rien à apprendre de la société civilisée, sauf comment mentir. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Franchement, ce ne sont pas les créatures qui mentent. Quel je sais ce que c'est. Réducto. Le Prosecco. Aïe. Boum. Et kaboum. Tu essaies d'éviter les problèmes. Et re-kaboum. Ah mais Poppy, on l'avait fini, c'est bon. Le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ça c'est que des... C'est que des potions Minweld, donc c'est pas la peine. Ah, vous allez m'obliger à faire un réparo, quoi. Sérieux. Réparo. Ah,
Oups. Très bien. La clé, c'est la discrétion. C'est ça. Après, la clé, ça peut être une clé aussi, mais là, là en l'occurrence, oui, la clé pour rentrer, c'est la discrétion. Même si on les a tous poutrés. Et encore quoi? Et encore là-bas, c'est tout? Allons. On voit le Magyar. Ça alors, par Merlin. Ce sont... Il faut commencer grand, hein. Ça a pas l'air de l'extérieur comme ça. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux c'est ça. Ce nom maintenant. Et pourquoi ces secrets? Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leurs combats, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Ouais, bah évite de te faire repérer toi aussi. Un pied après l'autre, aussi discrètement que possible. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Avec qui? T'aurais pu lui dire quand même avec qui, hein. Avec une mission, ouais. Enfin, bon, il n'y avait pas de Kanda, mais j'aurais pu faire un halo moi. Hein. As-tu okay. Des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Bah, ils disent que nous allons trop loin. Tu ne n'obtiens que... Nous n'obtiendrons quoi? Voilà. Ils n'ont jamais leur phrase, c'est nul. Ouais, t'as raison de picoler. Ouais. Ok, par là-bas. Là, je vois qu'il y a quelque chose. On peut remonter. Il y a des choses là-haut. Il y a une ex-nelle céleste. Par contre, c'est moi ou j'ai loupé quelque chose parce que j'ai vu un truc bleu là-bas au fond. C'est un nifleur, hein. J'ai l'impression que c'est un nifleur, mais je suis pas sûr. Passé. Je vois rien. Bon, on verra, peut-être qu'on passera devant plus tard. Il braconne même des chèvres. Eh ben. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans l'île.
Ok. Tu as entendu ces gobelins ? Ramène que les braconniers doivent être associés. C'est ça ? Il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ah oui, il se passe quelque chose derrière toi. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord ? Pas de soucis. Ouais, on se reprend. Regarde, ils ont un œuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Que je pourrais courir, s'il vous plaît. Une approche discrète sera plus judicieuse. Alors, allô Mora. Allô Mora. Ah, je suis obligé de le faire. J'adore ça. Après, c'est pas bien grave, hein. Qui pète le feu cet œuf. Très bien, j'ai l'œuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fait gagner seulement quelques secondes. On a le neuf. Ils vont le regretter. Maintenant, on le voit à qui. Quelque chose là-bas. Des sous-sous. Pas qu'on en manque, mais quand même. C'est un peu nul de leur laisser, ces braconniers. Ficus pétrifié. Non, il n'y a personne. Sinon, vous allez bien, les gens? D'accord. Toi, c'est toi que je cherchais. Je vois que tu as une amie. Ouais, je vois que. Hein. Allez, vous voulez mourir un peu? Ça va, oui, oh. Bon, là-haut, là. Voilà, prends ça. Reprends ça. Me fais pas chier. Il faut qu'on la libère tout de suite avant qu'il en arrive d'autres. D'accord. Tu me laisses looter avant et après je vais bien. C'est bon, t'as libéré. Sois gentil maintenant, ne m'embête pas. Ce n'était peut-être pas une bonne idée, je crois. Ah, peut-être pas.
Tu vas être bouffé toi. Je l'avais dit. Tes copines et où? On t'a libéré. Ah bah il a dragon. Il va être son œuf, je pense. Je crois que c'était un voile porteur. On a cassé le voile porteur. C'était un noir des hébrides. Je suppose que l'œuf oui, est celui c'était un de gros dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partie sans. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers. C'est moi qui l'ai, l'œuf. Ça n'augure rien de bon. Qu'est-ce qu'on en fait de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est envolé, est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait le garder indéfiniment. On ne pourra j'ai des grands enclos pour le faire éclore s'il faut. Très longtemps. Bah si si, moi je peux planquer dans mes enclos, t'inquiète hein. Il ne le verra pas, hein. Il n'y a que Chic encore, et encore il n'y va pas dans les enclos. Vu tous les problèmes qu'on a causés aux braconniers, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'ils se vengent? L'inverse est étonnant. Ils ne sont pas du genre à pardonner. Je suis désolée de te dire ça, mais je crains que tu ne sois encore plus en danger avec ce qu'on vient de faire. Je me ris du danger. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. Ouais. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Pas de soucis. Tu rentres à pied? Parce que moi j'ai mon balai. C'est du fangieux ça? Oh. Ça a l'air. Alors, j'ai de nouvelles quêtes. Je vais t'en voir, il voilà. Est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, d'accord. Nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. D'accord. J'ai d'autres lettres ou j'ai que celle-là? J'ai que celle-là. Alors, enquête. Juste devoir du professeur? D'accord. Alors, du coup, ouais, donc, récupérer la page du guide du sorcier dans le port souterrain, ok. Et récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel du cours moyen de métamorphose dans la bibliothèque. Dans le manuel du cours moyen de métamorphose? Ok. Bon, bah, si tu veux, allez, on va aller voir. Hein. Téléportation. Changer. Bien. On sait pas. Moins bien. Et on sait pas. D'accord. Hop, mes lunettes. Quand même pas, il est masqué. Non, oh non, c'est moche. Oups, c'est moche.
Cap. Et le cap que je mets d'habitude. Voilà. Bien sûr, rien au coup. Tout on est dans le château, il fait chaud dans le château. Ah, c'est téléportation. Non, pas les pièces secrètes, il faut qu'on aille. Ouais. La bibliothèque. Il faut qu'on aille dans la bibliothèque. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de... Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? C'est ça. T'es qui, toi, Sophronia ? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Des questions ? Si tu prends un endolorise dans la tronche, ça te fera quoi ? Les connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si tu veux. Ça pourrait être amusant. Formidable. Je vais forcément te répondre bien. Puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? Un vivet doré. Le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269. Mais pas à peine de telle état de science, je le savais. Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis. Bravo. Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Les reliques de la mort. Reliques de la mort. Et bientôt ça va être ta mort D'après parce Riddle que tu me fatigues. Les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le swaffle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le swaffle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Bon, on peut pas. Faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Hermione, je sais pas comment elle fait pour devenir un chat. Le livre sur le piédestal. Parce qu'on va pas changer d'espèce. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. M'en fous. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Pas maintenant. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Ouais, je te préviendrai. J'ai besoin du bouquin, moi. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Manuel du cours moyen de métamorphose. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphose plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux, en guise de lecture d'agrément. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Ouais, c'était assez simple. Aller en cours de métamorphose. Plus chiant, c'était de faire ces... Ce foutu interrogatoire là. Donc, ce contrôle surprise, on va dire. Si ça le métamorphose, on ira plus vite.
Pendant la journée, oh non, c'est chiant ça. C'est bon, je suis là. C'est bon, j'assiste au cours. Non ? Derrière, il y a un halo, Mora. Non, ça glacius pas. Il y a un drink aussi, mais j'arrive pas à déterminer où il est. Mais ici, il y en avait toujours eu un, hein, de drink. On n'a jamais réussi à trouver, je crois. Je dis pas de conneries. Il est là, hein, le dringue, je sais pas, hein, mais... Ah, et il est là. Et je sais pas, mais il est là. C'est à côté. Sphinx peut-être. Ah oui, c'est le Sphinx. Ouais, le statut de Sphinx. Le Sphinx est une créature à tête humaine et au corps de lion. Ah, le Sphinx, une créature à tête humaine et au corps de lion, est utilisé depuis des siècles par les sorcières et les sorciers. En raison de leur intelligence et de leur goût marqué pour les énigmes, ces créatures gardent les objets de valeur et les passages secrets. Kiki. Où qu'il est, Repulso 4. C'est ça. Il vient bien me dire que le skip à l'Omora il était bien activé, donc je comprends pas pourquoi. Tout à l'heure, hein, j'ai pas pu avoir. Enfin, ça l'a pas bien fait. Peut-être que pour la. Pour les quêtes, ça marche pas. Alors, voyons voir. On aille. Là. Peut-être tout seul. Tu vas t'accrocher au thé si je te si je t'envoie là-bas. J'arrive pas à savoir où je dois aller. C'est surtout ça en fait qui m'embête. Plus qu'ici. Allez hop. Et sauver le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. D'accord. Là, je viendrai, mais vous avez tardé quand même à m'envoyer des lettres, les filles, mais bon. Action. Ok, ça te fait aller là-bas. Si toi je te pousse. Boum.
Ah, je t'ai accroché. Toi. Est-ce que je peux t'accrocher? J'ai pas vraiment accroché là. Hein. Ah ouais, je t'ai eu quand même. Ok, donc faut que j'aille en face. Et si je vous repousse, pas vous bouger, c'est bon, c'est fini. Vous êtes coincé, c'est fait exprès. Contre là, il sautait dessus, ça va être compliqué quand même. Ouais, j'ai réussi. Sauf que je peux pas le répulser là. Ouais, peut-être. Peut-être bien que oui. Bah non, je peux plus parce qu'il y a, non, il est coincé. C'est coincé, coincé. On sort de là, je le ferai plus tard. J'ai trop envie de réfléchir en fait sur le hall des Rodiana. Donc on peut sortir. Obligé de le finir, on le fera plus tard. J'avais pas envie de faire ça, moi je voulais participer au cours de métamorphose. Sur un épisode prochain. Si je ne l'oublie pas. Qui pourrait être le cas. Ok, on est chez le lieu. Un peu. Qu'est-ce qu'on a là? Première et fille parler à Mathie, celle de divination. Ouais, après voilà, faut qu'on aille aux trois balais. On fera ça après. D'ailleurs, hop. Juste assister au cours de métamorphose et on fera ça au prochain épisode. Hein. J'allais dire après les cours de métamorphose, mais
ce sera au prochain épisode. Asseyez-vous. Un chouette bouquin. La métamorphose, il était chouette ce bouquin. Comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais permettez-moi d'en douter, professeur. Découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. On va transformer Sébastien en chat, non ? C'est pas ça ? Ok, allez, hop. Alors, il n'est pas si compliqué que ça, hein, celui-là. Excellent travail. Oh, pourquoi elle est partie sur les trolls, Poppy, mais c'est pas grave. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Bien sûr. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Bah, et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, je sais. C'est trop de temps sur ses devoirs, non, les devoirs m'ont aidé. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. Chic m'a dit que vous aviez capturé une licorne et que vous l'aviez amenée dans la salle sur demande. Non, non, elle est toujours sur moi. Aussi rare, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci. J'ai capturé professeur. Une licorne, je mais toujours dans mon sac. Je suis très impressionné par. D'ailleurs, je crois qu'elle a envie de bouffer. Accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre longue conversation avec Monsieur Ollivander, après avoir obtenu votre baguette, ou vos recherches dans la volière qui ont suivi, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Je dirais rien. Non. Pas du tout. J'aime discuter avec Monsieur Ollivander. Les baguettes me fascinent. Et je n'ai jamais visité la volière. Vous faites erreur. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin oui, de on vous a dit qu'on n'avait pas le droit de vous le dire. Et vous allez comme devoir vous bien pas, vous et puis préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là, pour m'assurer que vous êtes prête pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. D'accord. Mais non, non, je ne m'occupera pas. Hop, d'ailleurs, sort. J'ai pas de point de talent, donc c'est pas la peine, mais j'allais prendre celui-là. Qui fait que en fait on transforme les ennemis en barils d'explosifs. C'est bien. Mais bon, on va pas prendre. On peut pas le prendre, on n'a pas le point. Ouais, j'ai plein de trucs. Bon, voyons voir juste les défis. Combat. 70 mages noirs, ouais. C'est bon, j'ai plus rien. Ouais, quête. Et quête, on a fini tous les. Enfin, on a fini. Les défis, tous les devoirs, enfin des devoirs, je veux dire. Parce qu'on a peut-être pas fini tous les devoirs, je suis pas sûr. Et qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire à part la licorne ? Rien. Si, j'ai l'œuf de dragon. Entre vérifie et discussion de dragon, ok. Discussion de dragon, ça me plaira bien. Allez, on rentrera ça sur demande, puis on se laissera là pour cet épisode. Celle sur demande. Depuis notre dernière visite à Feldcroft,
quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais te dire. Ah ouais, si tu veux. Mais forêt interdite égale araignée. Vous avez préparé beaucoup de... On sait jamais. La licorne, enfin, j'aimerais bien là-haut. Ça me fait un peu chier de la mettre dans un truc sombre. Peut-être mettre les crapauds à la place. Bon, je vais la mettre ici quand même. Ouais. On s'occupera de nos animaux au prochain épisode aussi. Juste tout récupérer. Les popos, les solutions, les potions. Mordre des chines, c'est pas la peine. Là aussi bien, on les a déjà. Enfin, on a déjà tout ce qu'il faut. Et pareil pour les Wing and Weld, aussi bien. Donc on n'a pas de potion à faire. Bon, et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.